Salut à tous les enthousiastes du lancer de dés et aux accros du pinceau. On se retrouve aujourd'hui sur Warthog Wargaming pour une nouvelle vidéo. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'une nouvelle version d'Age of Sigmar vient de voir le jour, la version 3. Beaucoup de joueurs étaient enthousiastes à l'idée de cette nouvelle version et des changements qu'elle allait amener, moi compris. À la première lecture des règles, j'ai été totalement conquis par les mécaniques de réaction et surtout la remise au goût du jour des monstres et des héros. Et du coup, dans ce contexte, je suis allé participer à un tournoi Dead of Sigmar version 3 chez les Dark de Calais. D'ailleurs, merci à eux pour l'organisation, on y reviendra plus tard. Et j'ai voulu faire ce tournoi en Sons of Behemoth. En effet, je suis l'heureux possesseur d'une armée de Sons of Behemoth que j'ai montée en V2, au moment où ils étaient fun, mais pas encore vraiment au centre des mécaniques. Et maintenant que les monstres et les héros sont revenus au centre du jeu, alors, je rappelle que tous les méga gargants sont monstres, héros et behemoths, et que les petits gargants sont monstres. Donc, toutes les figurines de l'armée peuvent profiter des nouvelles possibilités offertes par le jeu. Et c'est pourquoi j'ai décidé de les emmener en tournoi. Donc, cette vidéo va s'articuler comme suit. Je vais commencer par vous présenter un peu ma liste, comment je vais élaborer pour aller en tournoi. Donc, vous allez voir, on ne va pas s'y attarder trop longtemps, étant donné que j'ai que 6 figurines, ça va aller assez vite. Ensuite, petit retour sur les 3 parties que j'ai eu la chance de jouer contre des adversaires tous très sympathiques. Et après, retour sur le tournoi en global, mon résultat, ce que j'en ai pensé et ce que j'aurais aimé changer des choses dans la liste. Voilà, ça ce sera la première grosse partie de la vidéo, le tournoi en lui-même. Et ensuite, dans une deuxième partie de la vidéo, parce que je pense que les tournois sont excellents pour la communauté, sont excellents pour les joueurs, expérimentés ou pas, je voulais donner 2-3 conseils, on va dire basiques, hein, pour des joueurs qui n'ont pas encore fait beaucoup de tournois ou qui veulent se lancer, parce que c'est vraiment l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes très sympathiques, d'en apprendre plus sur son armée, sur l'armée des autres, et puis honnêtement, de vivre notre passion de la meilleure façon qui soit. Donc j'espère que le retour du tournoi, vous trouverez ça intéressant, et que les tips, bah, peut-être vous aideront ou vous permettront de convaincre des amis à vous de venir en tournoi avec vous. Donc on va se retrouver pour la présentation de la liste. Alors maintenant, je vais vous parler de ma liste et de la manière dont j'ai élaboré. C'était un tournoi à 2000 points, en version 3 d'Age of Sigmar, et j'allais jouer Sons of Behemoth. Donc, la première chose que je fais quand je compose une liste de tournois, c'est, une fois que j'ai choisi mon armée, me demander quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, et du coup, on va chercher à capitaliser sur les forces et à un peu masquer ou compenser les faiblesses afin de pouvoir faire face à tout type de menaces, y compris les match-ups qu'on redoute un petit peu. Donc, pour moi, les grandes forces des Sons of Behemoth, c'est la prise d'objectif, puisque les méga gargants comptent pour 20 figurines pour ce qui est de la tenue d'objectif en allégeance Sons of Behemoth. Les gargants normaux comptent pour 10. Et ensuite, c'est une armée qui va être très résistante, c'est-à-dire 35 PV et save à 4+, pour les méga gargants, avec un tableau dégressif plutôt généreux, ça veut dire qu'on va garder assez longtemps nos capacités de destruction. Et pour les petits gargants, alors là, c'est 12 PV et sauvegarde à 5+, mais ils vont avoir plus de rapidité, de choses comme ça, on va pouvoir les projeter plus rapidement puisqu'ils peuvent notamment courir et charger quand ils sont entièrement à 12 pouces d'un méga gargant. Donc, voilà nos forces. Les faiblesses, ça va être un peu les armées qui ont des fonctions support qui les rendent très fortes et qu'on va avoir du mal à atteindre parce qu'on n'a pas assez de figurines pour et s'occuper des cordons et aller s'engouffrer dans la brèche. On va aussi avoir du mal contre les armées qui ont tellement de figurines que même notre armée de, entre guillemets, de gros lards ne va pas suffire pour tenir les objectifs aisément. Et du coup, surtout pour moi, vraiment la majeure partie de la mission d'un Son of Behemoth, c'est de survivre le plus longtemps possible. Parce que quand un Son of Behemoth survit, c'est toujours 20 figurines qui survivent et c'est toujours un potentiel de dégâts non négligeable. J'ajouterais à ça qu'avec l'arrivée des nouvelles grandes stratégies qui rapportent quand même 3 points de victoire si on les accomplit en fin de partie, les Sons of Behemoth ne sont pas trop mal lotis puisque une de ces grandes stratégies est tenir la ligne, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins une unité de ligne vivante à la fin de la partie. Et ici, absolument toutes nos unités sans exception sont des unités de ligne. Du coup, j'ai conçu ma liste avec l'idée de tenir les objectifs le plus vite et le plus longtemps possible et surtout de rester en vie le plus longtemps possible.
C'est pourquoi j'ai choisi de jouer en tribu de Rafleur. Donc la tribu de Rafleur, c'est le méga gargant Kraken Eater qui est général. Ça permet deux choses, cette allégeance. Tout d'abord, les méga gargants sont encore plus forts sur les objectifs puisqu'ils vont compter pour 30 figurines et non 20 en tribu de Rafleur. Et les petits vont compter contre 15 au lieu de 10. Donc là, ça remplit le premier point que je voulais atteindre. On est encore meilleur en prise d'objectif. En plus, deuxième petite aptitude qui peut sembler gadget, mais qui peut avoir son importance dans la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on tue une figurine possédant un artefact chez l'adversaire, on va gagner un triomphe. Intéressant. On passe donc à la liste en elle-même. Mon général est un Kraken Eater, forcément. Je lui ai donné le trait de commandement extrêmement intimidant, qui fait un moins 1 à la touche à toutes les figurines à 3 pouces, donc pas uniquement quand on le cible et pas uniquement au corps à corps. Donc avec un placement habile, on peut même aller protéger d'autres gargants avec notre général. En plus d'avoir choisi mon général extrêmement intimidant pour avoir le moins 1 à la touche, je l'ai doté de l'amulette de la destinée, un nouvel artefact de la version 3 d'Edge of Sigmar, utilisable par toutes les armées, qui donne une protection contre les blessures et blessures mortelles à 5+. Vous êtes en train de vous dire, le général a 35 PV, il a une sauvegarde à 4+, facilement passable à 3+, avec totale défense ou l'heure de gloire des héros. Il a en plus de ça un moins 1 à la touche applicable à 3 pouces. Et on vient ajouter une protection à 5+, contre les blessures et blessures mortelles. Ce général va être purement insortable. Et c'est bien le but. C'est bien le but. J'espère fortement que mon général va survivre à la plupart des affrontements pour pouvoir m'alimenter en points de commandement. Et puis surtout, ruiner les plans de mes adversaires. Ensuite, j'ai pris un deuxième Kraken Eater. Donc là, je vais vous profiter pour parler du Kraken Eater de manière plus générale et pas seulement de mon général. Donc, un Kraken Eater, c'est 9 attaques de massue 9 rageuse à 3+, 3+, reine moins 2, 2 dégâts. C'est 2 attaques de piétinement avec aussi reine moins 2, D3 dommages et une attaque d'étreinte fatale qui peut faire D6 dommages et qui est sur une reine moins 3, plutôt spécialisée contre les monstres. Ensuite, ils ont une capacité de mise dans le filet, donc à chaque pile-in, mouvement d'engagement, ils vont pouvoir choisir jusqu'à D3 figurines à 3 pouces 2 et jeter un dé. S'ils font au moins 2 fois la caractéristique de blessure de la cible, elle est tuée. Ça va être une excellente capacité pour viser les champions et les bannières. Et c'est bien ce que je compte faire pour empêcher mes adversaires de profiter des bonus de morale ou de pouvoir se donner des ordres sans avoir de héros à proximité. On en arrive enfin au meilleur pour la fin. La meilleure capacité du Kraken Eater, selon moi, c'est de pouvoir pousser les objectifs. En début de phase des héros, s'il le contrôle et se trouve à moins d'un pouce du centre de l'objectif, le Kraken Eater, donc mes deux Kraken Eater, peuvent pousser un objectif de 2d6 pouces. Et il est à savoir que, dans certains scénarios, les objectifs ne rapportent pas le même nombre de points selon leur emplacement sur le terrain, sur le champ de bataille. Et nous sommes la seule armée en ce moment, à ma connaissance, à pouvoir modifier la position des objectifs en cours de partie, de manière totalement unilatérale. Et du coup, dans certains scénarios, je compte bien essayer de maximiser cette capacité pour placer mes objectifs au mieux et gagner plus de points que mon adversaire tout en prenant les risques les plus minimes possibles. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour pour le Kraken Eater. Ensuite, on vient à mon troisième méga gargant de la liste, le Gatebreaker. Donc lui, le Gatebreaker, connu depuis longtemps pour être le plus gros frappeur de l'armée. Donc, il partage les attaques de piétinement et d'étreinte fatale avec les Kraken Eater, mais lui remplace la massue naufrageuse par un fléau. Donc, 10 attaques. 4+, 3+, mais maintenant le 4+, est un peu moins pénalisant parce qu'on peut facilement l'emmener à 3+. Reine moins 3, 3 dégâts par attaque. Vous avez bien compris, lui, il est là pour faire mal à l'adversaire, pour aller chercher l'unité d'élite en armure, pour détruire des espoirs. Non, plus sérieusement, il a en plus un mouvement de 12 contre 11 pour les Kraken Eater, ce qui permet au tour 1, avec une distance de 18 pouces en moyenne entre les armées, d'avoir une charge à 6 pouces, ce qui est largement faisable, surtout si on garde un point de commandement avec notre général toujours en vie pour pouvoir relancer. Voilà, le
Gatebreaker va clairement être l'enfonceur de la liste. On va l'envoyer dans le territoire ennemi avec aussi l'espoir d'aller casser le décor adverse s'il y en a un. Alors oui, maintenant vous allez me dire tous les monstres peuvent casser le décor adverse, sauf que le Gatebreaker peut utiliser une autre aptitude monstrueuse et finir par casser le décor grâce à concassage en fin de phase des héros, en fin de phase de combat plutôt, parce qu'il pouvait déjà le faire auparavant, donc il reste quand même meilleur que les autres dans ce rôle, surtout avec ses bonus contre les garnisons. Et enfin, la dernière unité de mon armée, ça va être 3 Man Crusher dans un bloc de 3. Donc, pour moi, le but de cette unité, je vais pas vous mentir, elle a beau valoir 490 points, c'est mon cordon, c'est ce qui va servir à protéger mon général ou à créer un goulet d'étranglement. Ils ont aussi, comme je vous l'ai dit, la capacité de courir, et de charger s'ils sont à moins de 12 pouces d'un méga gargant allié. Donc là, ça devrait pas être trop compliqué à garder. Et du coup, eux vont être là soit pour protéger mon général si je sens que l'adversaire est agressif, soit pour être projeté sur l'adversaire et lui faire un maximum de blessures en charge, puisqu'on peut arriver à D3 BM par géant, donc D3 BM x 3, ainsi que un qui va utiliser une aptitude monstrueuse. On va arriver donc à 4 D3 BM au max sur une charge, ce qui peut être plutôt rentable. Et en plus, comme les 3 sont des monstres, si vous chargez avec une unité de 3 et que vous n'utilisez pas ses aptitudes monstrueuses par ailleurs avec un de vos méga gargants, chaque membre de l'unité va pouvoir en déclencher une. Donc vous pouvez imaginer un qui va donner les blessures mortelles supplémentaires, un qui va essayer de casser le décor adverse, et un qui va essayer de hurler sur un 3+ sur l'unité adverse pour qu'elle ne puisse ni donner ni recevoir d'ordre. Et donc là, ça veut dire souvent une moins bonne sauvegarde d'armure et du coup plus de dégâts. Donc là, on retrouve vraiment l'idée des monstres briseurs de lignes qui vont venir mettre un boxon pas possible dans la ligne et dans les plans de nos adversaires. Voilà. Et enfin, en dernière chose, j'ai envie de vous dire que je vous ai parlé d'une des faiblesses de notre armée, c'est les armées qui ont beaucoup de cordons et des fonctions support extrêmement puissantes cachées derrière qu'on ne va pas pouvoir atteindre. C'est pour cette raison aussi que j'ai favorisé 2 Krakeniteurs, un Gatebreaker et un unique bloc de 3 Man Crusher. Parce que dans cette configuration, toutes les unités de mon armée vont pouvoir tirer dès le premier tour. En effet, les Kraken Eaters ont 3 tirs à 24 pouces en 4+, 3+, raid moins 1, des 3 dégâts. Donc, ça peut quand même piquer assez rapidement. Le Gatebreaker est bien connu pour son jet de boulet énorme, où il va avoir une seule attaque, mais à raid moins 3 et qui fait 4 dégâts. Et une fois par tour, ce n'est pas sur leur profil, mais vous pouvez choisir avec votre général sans rien payer une unité de Man Crusher et une seule, c'est pour ça que je les ai rassemblés en unité de 3, entièrement à 18 pouces, et lui faire effectuer exactement le même tir que les Kraken Eaters, sauf que la portée est un peu moindre, et que c'est des 3 tirs par petit géant au lieu de 3 tirs par Kraken Eater. Ça fait qu'au premier tour, même dans un scénario où je ne vais pas avoir envie de charger, le but, ça va être d'essayer d'aller chercher un héros support ou un mage en vraiment le ciblant maximum avec mes tirs pour essayer de régler ce souci avant d'être engagé au corps à corps et du coup de ne plus pouvoir cibler tous les supports qui vont bien sûr rester éloignés de la mêlée. Donc voilà, cette liste a pour but de prendre les objectifs au plus vite, d'y rester le plus longtemps possible et de ne pas être trop inoffensive au premier tour. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de jeter tout le monde dans la mêlée. Souvent, jeter une unité, je pense. Peut-être 2, mais plus rarement. Et surtout, voilà, même en ne jetant pas toutes mes forces au corps à corps, je vais pouvoir faire mal à l'adversaire, peut-être tuer un héros support, peut-être pouvoir forcer des tests de déroute ou l'utilisation de points de commandement pour les éviter. Voilà. Je vais essayer que mon armée joue dans toutes les phases. Donc bien sûr, en phase des héros, je suis un peu en dessous comme je n'ai pas de magicien. Mais maintenant que les actions héroïques permettent de dissiper un sort, en cas de sort vraiment très dangereux, j'irai peut-être choisir la capacité héroïque de dissipation plutôt que celle de régénération ou celle qui améliore la sauvegarde et la blessure. Donc voilà. On est quand même avec une armée qui a uniquement 6 figurines et 4 unités à gérer, mais avec tout un certain nombre de capacités particulières qu'il va falloir utiliser au mieux, gérer au mieux pour en tirer le meilleur face à des armées qui sont plus conventionnelles, qui vont peut-être pouvoir occuper plus facilement le terrain, mais
Nous, une fois qu'on y est, ce sera dur de nous en déloger. Donc je pense que la présentation de Maïs est assez complète. Elle est loin d'être parfaite. Le fait qu'il n'y ait pas de Warstomper, donc le Warstomper du coup, c'est un peu celui qui va taper le plus fort tout le temps, peu importe le nombre de dégâts qu'il a subi, puisque ce nombre d'attaques va dépendre du nombre de figurines qu'il a autour de lui. Mais malheureusement, j'ai voulu maximiser la possibilité de bouger les objectifs. Malheureusement, pour le Warstomper, uniquement. J'ai voulu maximiser ma capacité à bouger les objectifs et ma capacité à tirer au premier tour pour pouvoir handicaper les fonctions support de mes adversaires. Donc, on va se retrouver tout de suite pour les retours sur les trois parties qui sont rapides. Hein. Ce ne sont pas des rapports de bataille. Je vous ai juste résumé un peu les points importants des matchs, ce qui a joué la victoire ou la défaite, les moves que j'ai pu faire, que j'ai trouvé intéressants et qui peuvent peut-être vous servir dans d'autres situations. Et puis, une fois qu'on aura fait ces retours de partie, on passera à des conseils plus globaux au niveau du tournoyeur. Voilà. Pour la première partie de la journée, le scénario joué était Gain Sauvage. Gain Sauvage, c'est un scénario V3 qui compte 4 objectifs. L'un est placé au centre, juste au bord de votre territoire. Il vous rapporte un point. Le même objectif pris à votre adversaire, donc au bord de son territoire, vous rapporterez 4 points. Et il y a 2 objectifs, entre guillemets, neutres, qui vont, eux, rapporter 2 points chacun, car ils ne sont pas au bord de votre territoire. Et là, déjà dans ce scénario, ma liste va porter ses fruits, puisque il est possible de déployer un des Kraken Eater proche de l'objectif central dès le début, à moins d'un pouce. Et du coup, il va être possible, dès la première phase des héros, d'aller pousser cet objectif pour qu'il vous rapporte 2 points au lieu d'un, puisqu'il ne sera plus au bord de votre territoire. Donc, j'étais dans l'idée que je devais absolument réussir à l'emporter sur ce scénario, puisque c'était l'un de ceux qui m'avantageait le plus, contrairement à d'autres, vous le verrez. Du coup, j'étais vraiment au taquet. Je suis tombé contre un joueur de Zench, donc Zench en allégeance Duplicitus. C'est une allégeance qui fait qu'une fois que vous êtes engagé avec une unité de Zench en tant qu'adversaire, vous n'avez plus l'option de vous replier. Donc c'est souvent des listes qui vont tenter de vous engluer loin des objectifs et de vous puer petit à petit à l'attrition grâce aux blessures mortelles et aux tirs des horreurs. Pour ce qui est de la composition de la liste de mon adversaire, il jouait Kéros, donc le duc du changement nommé, un changelin et un magister. 2 fois 20 horreurs roses et 10 horreurs roses. En tant que sort permanent, il jouait forcément les Umbral Spell Portal, la Gravetide pour m'empêcher de passer à certains endroits et me faire un peu de dégâts, et les Soul Screen Bridge, donc là pour pouvoir se projeter et aussi bloquer certains endroits. Donc quand j'ai vu la liste de mon adversaire, j'étais plutôt confiant parce que son gros pouvoir à lui est de faire beaucoup de blessures mortelles, mais ici dans mon armée, on a tellement de PV qu'on est assez peu sensible au final aux blessures mortelles. Voilà. Mon gros enjeu était qu'il fallait quand même que j'arrive à le priver de certaines fonctions support, car il me mettait beaucoup de malus à la touche ou à la blessure, avant que ces horreurs n'arrivent à reprendre le dessus et à quand même tuer les gargants, parce que sous la saturation, on finit par mourir, même si son armée manquait vraiment beaucoup de létalité. Mais ce n'est pas son but. Voilà. Du coup, à l'issue du déploiement, j'avais 4 pauses et mon adversaire 9. C'est donc moi qui ai pu choisir de commencer ou non. Et j'ai choisi de prendre le T1. En effet, je n'avais pas trop peur d'avancer parce que la létalité de mon adversaire n'était pas très élevée. Deuxièmement, vu les mécanismes de Zench Duplicitus qui vous empêchent de vous replier une fois que vous êtes engagé, je me suis dit, il ne faut absolument pas que je lui laisse une seule occasion de m'enfermer chez moi. Sinon, je vais avoir beaucoup de mal à m'en défaire. Voilà. Et surtout, j'avais envie de marquer la tactique de bataille expansion agressive qui est de tenir 2 objectifs qui ne sont pas dans votre territoire à la fin du tour. Et du coup, je voulais assurer le coup. Donc, j'ai décidé de prendre le T1. J'aurais pu choisir la tactique de bataille qui consiste à faire courir 3 unités les unes à côté des autres, ce qui semble très facile.
Mais ici, je vous le rappelle, j'avais un plan au tour 1, c'est-à-dire que quand la charge n'est pas trop possible ou pas judicieuse, le but, ça va être de faire mal au tir. Et donc, dans ce tour 1, ma stratégie a fonctionné puisque j'ai tiré avec les petits géants et les deux Kraken Eaters sur le changelin et j'ai réussi à l'abattre. Donc là, on a un des sorciers de mon adversaire qui joue Zench, je le rappelle, qui est mort au T1 malgré son attention messire. Donc comme quoi, ces tirs peuvent faire mal, surtout comme sur des personnages mal protégés comme des sorciers. J'ai réussi à prendre mes deux objectifs et j'ai bougé l'objectif qui était au bord de mon camp vers le centre, ce qui fait que dès le premier tour, j'ai marqué plus de points que mon adversaire. Même en tenant son objectif du centre et les deux objectifs qu'il avait à me reprendre, il n'aurait pas réussi à marquer autant, puisque mon objectif central valait plus que le sien pour moi, 2 points pour moi et 1 point pour lui, puisqu'il ne peut pas le bouger de place. Et donc je me suis dit que dans cette partie, j'avais assez intérêt à essayer de maintenir le statu quo, mais tout en ratant pas l'occasion de tuer Kairos, parce que Kairos fait quand même énormément de blessures mortelles, peut avoir une grosse influence sur la partie. Et du coup, il s'est avéré pour cette partie que bah voilà, mon adversaire a en plus joué de malchance sur le flanc droit. Il a posé les Soul Scream Bridge dans un goulot pour essayer de m'empêcher de passer. Voilà. Alors, les méga gargants peuvent les enjamber comme le sort permanent fait moins de 4 pouces de haut. Et en fait, l'idée de mon adversaire, c'était d'aller placer des horreurs derrière ce Soul Scream Bridge pour que je ne puisse pas placer mon socle de méga gargants en phase de mouvement, puisque les méga gargants ignorent les petites choses, entre guillemets, en phase de mouvement, mais pas en phase de charge. Malheureusement pour lui, il a fait une charge à 1 sur les horreurs qui étaient censés couvrir ce flanc. Et là où ça a encore plus mal tourné pour lui, c'est-à-dire qu'il avait déjà perdu un de ses sorciers, il n'a pas réussi à couvrir derrière ses sous-screen bridge pour sécuriser vraiment à fond Kairos. Et là, le drame, entre guillemets, pour mon adversaire, c'est que j'ai réussi à obtenir un double tour. On a mesuré ensemble, le Gatebreaker pouvait bien passer les Soulscream Bridge entièrement sans courir. Et à partir de là, il s'est ouvert un chemin vers Kairos. J'ai de plus choisi, je vous l'ai dit, les Son of Behemoth bénéficient d'un tas de choses. Donc la capacité héroïque Heure de Gloire, comme ça je garantissais à mon Gatebreaker plus un à la save et surtout plus un à la blessure. En phase de combat, j'ai évidemment choisi le duel titanesque avec le plus 1 à la touche. Du coup, mon Gatebreaker était en plus 1 à la touche, plus 1 à la blesse. Il a réussi sa charge contre Kairos. Et donc, forcément, je ne vous fais pas de dessin. Kairos n'étant pas le personnage le plus résistant de tout le jeu, il a vite succombé au coup de fléau bien énervé du Gatebreaker. Et en plus, le pire du pire pour mon adversaire, c'est que en ayant tué Kairos, mon Gatebreaker était à portée de l'objectif dans son camp. Donc, dès le tour 2, en ayant eu un double tour, je tenais tous les objectifs de la table. J'avais éliminé le général adverse, j'avais éliminé un des sorciers. Ça s'avérait vraiment très compliqué pour mon adversaire. Donc, la partie s'est quand même déroulée dans une super ambiance. Mais voilà, au niveau tactique, après ça, c'était si je peux vous parler d'un petit move que j'ai fait. Donc, au niveau du Gatebreaker qui tenait l'objectif dans le camp adverse, il y avait des horreurs qui avaient déjà été divisées sur l'objectif. Mon adversaire a ramené d'autres horreurs pour charger le Gatebreaker et j'ai eu, entre guillemets, la bonne inspiration de choisir de frapper sur les horreurs qui étaient déjà divisées et à côté de l'objectif, parce que si j'avais frappé sur les autres horreurs roses qui étaient plus loin de l'objectif, mon adversaire aurait pu se servir de la division en horreur bleue puis en brimstone pour se créer un pont jusqu'à l'objectif et peut-être me le reprendre. Donc vous voyez, même quand une partie, entre guillemets, démarre bien pour vous, il ne faut pas relâcher l'attention et il faut continuer à faire attention à tous les détails, à essayer de grappiller un maximum de points. Et puis de toute façon, il faut en profiter pour apprendre, pour aussi tester des choses. Quand c'est une partie comme ça qui est, entre guillemets, bien engagée, c'est peut-être aussi le moment de tester la résistance de vos trous jusqu'au bout, de ne pas mettre ce petit all-out défense. Après, à vous de voir l'importance que vous accordez à la victoire. On est quand même en tournoi, mais voilà, c'est une partie où faut quand même essayer de prendre du plaisir une fois que le résultat est joué. Voilà, c'était pas la plus intéressante des parties. En fait, si
elle a été intéressante dans le sens où les choix tactiques ont été très durs à faire au sein du premier tour et du second tour. Mais ensuite, quand je dis que la partie n'était pas des plus intéressantes, c'est qu'elle n'a pas été disputée jusqu'au cinquième tour. Et ensuite, mon adversaire a cherché à marquer le plus de points possible pour limiter la différence de points. Et moi, j'ai cherché à maximiser aussi mes points de victoire, donc notamment avec les tactiques de bataille. J'étais assez content de moi car sur cette partie, j'ai réussi à valider mes 5 tactiques de bataille. Et vous le verrez, on en reparlera au moment où je parlerai des résultats du tournoi. Les tactiques de bataille et les grandes stratégies sont vraiment bien pris en compte au niveau du classement. Et du coup, accomplir ces 5 stratégies possibles sur 5 est vraiment une belle voie vers la victoire. Et du coup, je trouve que la prise en compte de ces stratégies de bataille et de ces grandes stratégies vient vraiment amener plus de choix dans le jeu, plus d'enjeux tactiques, et du coup, c'est tout bénef. Donc voilà, une partie où clairement mon adversaire partait avec un match-up défavorable, puisque je suis peu sensible au BM, et en plus, la chance s'en est mêlée avec un double tour. J'ai envie de dire, ma liste a quand même bien marché. Le fait de l'avoir constitué en tir m'a permis de sortir un des sorciers directement. Donc, voilà, c'était une victoire un peu à cause du match-up, mais pas non plus imméritée, puisque j'ai quand même essayé de faire les bons choix. Voilà. On va pouvoir passer au second match que j'ai disputé contre une armée de Soulblight. Donc là, on est vraiment dans l'actualité. Comme je vous le disais, après cette première partie contre Zench et mon adversaire Vincent, que je remercie d'ailleurs pour la magnifique ambiance dans laquelle s'est jouée la partie. On va passer à ma seconde partie contre Michael et ses Soulblight. Donc là, au niveau de la liste, on sait qu'on a affaire à du lourd. C'est une liste très bien conçue. Donc on va avoir un dragon zombie avec un seigneur comme général. On va avoir Manfred. Donc là, ça va être les deux grosses forces de frappe de mon adversaire, avec en plus des bonnes sauvegardes et une grosse projection. Donc je me suis déjà dit, ces deux-là, ça va être compliqué à gérer. En plus, ils ont une règle, tous les deux identiques. S'ils tuent une figurine au cours d'une phase de combat, les zombies entièrement à 12 pouces vont bénéficier de plus d'un attaque pour cette phase. Et du coup, si ces deux héros frappeurs, j'ai envie de dire, arrivent à tuer une figurine au cours d'une même phase, les zombies peuvent aller jusqu'à avoir plus 2 attaques chacun pendant cette phase. Et du coup, ça peut les rendre très forts. Ensuite, on avait un nécromancien et un Gravekeeper pour soutenir les 3 fois 40 zombies qui vont suivre dans la liste. Donc, ces deux personnages permettent de les ramener facilement et en plus, ils ont la capacité de renvoyer les blessures qu'on leur fait sur les zombies, moyennant un lancer de dés. Et du coup, ça va les rendre très durs à sniper parce qu'on n'a pas envie de gâcher les ressources sur eux si ça finit sur des zombies. Voilà. L'un des deux avait le sort la danse de Vanelle qui permet à une unité de pouvoir pile-in et combattre 2 fois lors d'une phase. Donc on commence à voir le plan se dessiner. Donc comme je vous le disais, après ces 4 personnages, il y avait 3 fois 40 zombies, il y avait aussi 5 chevaliers de sang, et il y avait une charrette macabre qui donnait un moins 1 à la blessure dans un rayon de 9 pouces. A savoir que mon adversaire peut aussi garder une unité en réserve, ou plusieurs, pour les faire rentrer par les fosses communes. Ce qui va jouer pour la suite de la partie et mes choix, vous allez le voir. Donc là, je me suis dit, je suis face à une liste où il y a de la létalité avec les deux gros héros, avec les zombies qui peuvent mettre des blessures mortelles sur les 6. Alors comme ça, ils ont l'air assez inoffensifs, mais si on leur rajoute une ou deux attaques et qu'ils frappent 2 fois, ça peut commencer à piquer. Je vais avoir de la problématique parce que là, même avec mon compte comme 30 figurines et compte comme 15 figurines, bah, mon adversaire a tellement de figurines qu'il peut, lui, vraiment, venir me dépasser en nombre. Donc ça va être compliqué. Et au niveau du scénario, on était sur interférence tectonique. Donc c'était aussi un des scénarios du nouveau pack de bataille. Les 3 objectifs sont placés de manière centrale à égale distance entre les joueurs. Et à chaque tour, au hasard, l'un des objectifs va être l'objectif alpha qui vaudra 2 points et les autres objectifs vaudront 1 point. Du coup, mon plan un peu dans ce scénario, c'est que je me suis dit que ça allait être très difficile de gagner. Et la seule porte de sortie que je pouvais voir pour moi, c'était d'arriver à prendre 2 objectifs côte à côte avec mes 2 Kraken Eaters, d'essayer d'obtenir le tour
suivants afin de pouvoir les rapprocher l'un de l'autre et si possible les superposer pour venir me poser ensuite avec tous mes gargants sur ces deux objectifs et essayer juste de survivre comme ça le plus longtemps possible. Voilà. Du coup, on s'est déployé, donc vous pourrez voir des images de ce déploiement probablement en ce moment même. Voilà. C'est moi, encore une fois, qui ai fini mon déploiement en premier et qui ai le choix du T1. Donc là, j'ai fait face à un gros dilemme, c'est-à-dire, est-ce que je le laisse lui jouer en premier en lui enlevant toute possibilité de me charger T1, étant donné que moi, je veux survivre le plus longtemps possible, ça peut être une bonne idée. Mais d'un autre côté, ayant des unités en réserve, il aurait pu les placer sur les objectifs dès le tour 1 et peut-être m'empêcher de les prendre. Et je vous avoue que n'étant pas serein avant cette partie, je ne voulais absolument pas me retrouver à une partie où je score 0 points. Du coup, j'ai décidé, à tort ou à raison, de prendre le T1. J'ai, comme prévu, envoyé un Krakeniter à gauche, un Krakeniter au milieu et le Gatebreaker à droite, un peu pour faire diversion. Les petits gargans sont restés proches de mon général pour le protéger. Voilà. Et du coup, donc là, j'ai scoré mes points facilement, j'ai scoré ma tactique. Tout a été pour ce premier tour de mon côté. J'ai pas réussi à faire beaucoup de dégâts au tir, voire quasiment pas du tout. Et ensuite, ce fut le tour de mon adversaire. Donc là, au T1, il a réussi à lancer la danse de Van Hel, même si j'ai tenté une dispel grâce à une action héroïque avec mon général. Je me suis dit, voilà, là, je préfère ça qu'un plus en sauvegarde, parce que vraiment, si je peux empêcher une de ces unités de taper deux fois, ce sera beaucoup mieux pour ma survivabilité. Malheureusement, le sort adverse passe à 9 et je dispel à 8. Du coup, la danse de Van Hel passe. Et ensuite, mon adversaire avance vers moi avec pour but clairement d'aller sécher mon général si possible, les trois petits gargans qui le protègent et mon autre Krakeniter sur la gauche. Là, j'ai utilisé une des compétences qui nous est offerte par cette version 3 avec un redéploiement. J'ai trouvé ça assez bien joué de ma part, c'est-à-dire que je suis allé mettre mes trois Man Crusher. Je les ai fait faire un redéploiement qui m'a permis de les glisser autour de mon général afin de vraiment le protéger de Manfred et le Lord and Dragon Zombie qui étaient juste vraiment devant lui. Ça les a obligés à charger mes petits gargans. Et mes petits gargans étant vraiment collés à mon général qui met un moins 1 à la touche à 3 pouces, j'ai réussi, comme je l'avais dit dans ma conception de liste, à protéger d'autres unités grâce à mon général et à protéger mon général grâce à un redéploiement. Donc vraiment là, c'était un trick assez sympa. Alors ça n'a pas empêché qu'à la phase de combat, bien sûr, Manfred et Dragon Zombie se sont fait une joie de tuer sans trop de mal mes trois petits gargans, ce qui a permis, comme je vous l'ai dit, de donner plus deux attaques aux zombies puisque les deux seigneurs ont réussi à tuer une figurine, donc un petit gargan chacun. Et ensuite de ça, il y a donc une unité de 40 zombies qui était sous danse de Van Hel et plus deux attaques qui a pu pile-in et engager deux fois mes deux Krakeniters. Et du coup, j'ai pris 15 blessures sur mon Krakeniter de gauche, une vingtaine sur mon général malgré un feel no pain. J'ai perdu mes trois petits gargans dès le tour 1. On va dire que ce n'était vraiment pas idéal. Donc en plus, mon adversaire a réussi à me reprendre certains objectifs et à marquer sa tactique. Voilà. Et là, comme quoi, dans un jeu de dés, il faut être philosophe, on va dire, ce qui est arrivé à la première partie à Vincent, mon adversaire, c'est-à-dire se faire en plus double tour, eh bien, ça m'est arrivé aussi, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à avoir l'initiative du tour 2, donc je n'ai même pas eu l'occasion d'essayer de rapprocher les objectifs l'un de l'autre pour essayer de mettre en place ma stratégie. Et donc là, j'ai quand même réussi pendant ce tour un petit trick assez sympa, c'est-à-dire que mon adversaire, pour éviter de se faire taper les zombies qui étaient à droite contre mon Gatebreaker, les a repliés à 6 pouces, puisque les zombies peuvent pile-in à 6 pouces. Donc il aurait pu repile-in malgré son repli et me frapper. Mais une fois qu'il a pile-in et s'est mis exactement à 6 pouces, j'ai utilisé un redéploiement, comme ça j'ai reculé mon Gatebreaker
pour me dire au moins ces zombies-là sur lesquels il avait déjà lancé la danse de Vanel au second tour vont perdre cet avantage puisque comme ils se sont repliés, ils ne peuvent plus charger et maintenant je ne suis plus dans leurs 6 pouces. Voilà. Alors malheureusement, ça n'a pas empêché mon général et le Kraken Eater non général de mourir. Donc là, une fois que j'avais perdu 2 méga gargants et mes Man Crushers au premier tour, je savais que c'était plutôt mal engagé pour moi. Voilà. J'ai quand même continué à essayer de scorer des tactiques. Mais malheureusement, par exemple, j'avais tenté la tactique de guerre, tuer le seigneur de guerre avec mon général sur Manfred. Voilà. Mais je l'ai laissé à 4 PV. Il a régène. J'ai donc raté ma tactique. Et même si pour l'honneur, j'ai réussi à aller le tuer avec le Gatebreaker, il était trop tard puisque j'ai déjà utilisé la tactique. Et du coup, sur ce match-là, j'ai réussi à marquer une seule de mes tactiques. J'ai raté ma grande stratégie puisque j'ai fini table rasée. Et donc, mon adversaire a vraiment extrêmement bien joué. Il a ruiné tous mes plans. Par exemple, pour une autre de mes tactiques, j'avais prévu, briser la ligne. J'ai tué des zombies, mais malheureusement, j'avais pas utilisé l'aptitude monstrueuse pour les empêcher de recevoir un ordre, et donc ils ont pu être immunisés au moral. Donc 4 zombies qui sont restés m'empêchant de scorer une tactique. Et vous le verrez encore une fois, les tactiques ont vraiment une importance maintenant proéminente pour le classement. Et du coup, à la réflexion, dans cette partie, j'aurais peut-être pas dû prendre le premier tour, parce que je pense qu'en effet, mon adversaire aurait pris les objectifs au T1, mais qu'il n'aurait pas forcément réussi à les recouvrir complètement, et du coup, juste avec un mini bout de mon socle, je pense que j'aurais pu réussir à les reprendre plus facilement et marquer des tactiques comme conquérir. Voilà. Et voilà, je n'arrive pas à savoir ce que j'aurais pu faire pour gagner. À noter que pendant cette partie, la chance ayant manqué, j'étais un peu dans le sac et du coup, moi-même, j'ai été un peu, on va le dire, salé au niveau de la chance puisque j'ai vraiment fait des jets, vous allez le voir tout de suite, voilà, avec mon Kraken Eater qui a réussi à tuer 0 zombie. Pour autant, j'aurais dû rester dans la partie et c'est un jeu de dés. Du coup, merci à mon adversaire pour cette partie, merci pour cette leçon. Et puis, comme on se connaît en dehors du tournoi, on a déjà plus ou moins parlé de refaire cette partie dans un cadre amical pour voir si une autre stratégie aurait pu jouer. Donc voilà, l'important c'est vraiment de continuer à s'amuser. C'est un jeu de dés. Là, j'ai pris une leçon autant dans la constitution de la liste que dans l'exécution du plan, c'est-à-dire que mon adversaire a en plus marqué ses 5 tactiques. Moi, j'aurais pu par exemple me dire, ok, ce match, je vais probablement le perdre. Mais du coup, je vais jouer d'une façon à marquer toutes mes tactiques, à essayer de marquer ma grande stratégie. Voilà, il y a toujours à apprendre d'une défaite. Il faut toujours rester positif et continuer vers la partie suivante, parce que de toute façon, on est là pour s'amuser. Donc encore bravo à mon adversaire pour cette liste qui a remporté le tournoi d'ailleurs par la suite, et qui, ça ne m'étonnerait pas, pourrait en remporter d'autres. Donc on va se retrouver maintenant pour la troisième partie contre mon adversaire Tom qui jouait les Gloomspite Gits. Nous voici donc pour parler de cette troisième et dernière partie du premier tournoi V3 de cette saison pour moi. Donc, cette fois-ci, ça allait se dérouler sur les Veines de Lure, alors qu'il y a aussi un scénario du nouveau pack de bataille, mais si vous connaissez l'ancien pack de bataille, et notamment Chute d'étoiles, vous connaissez globalement le scénario. Donc, c'est-à-dire que c'était un scénario où les objectifs ne sont pas présents sur la table au début de partie. Le premier objectif va tomber sur la ligne centrale, soit à gauche, soit au milieu, soit à droite, selon un lancer de dés, au début du deuxième round ou à la fin du premier round. Voilà. Ensuite, les deux objectifs restants pour arriver à 3 objectifs au total vont tomber sur la ligne limite de déploiement des joueurs, donc une chez l'adversaire et une chez moi, sous le même principe, soit à gauche, soit au milieu, soit à droite. C'est donc un scénario qui oblige à rester très mobile en cours de la partie. Il est à noter que c'est un scénario qui peut favoriser les retournements de situation parce que chaque objectif vaut autant que le numéro du tour en cours. C'est-à-dire que si vous avez 3 objectifs au round 2, ça vous fait 6 points.
Si vous avez ces mêmes 3 objectifs au round de 5, ça vous donne 15 points. Donc voilà, c'est un scénario où il ne faut pas abandonner parce qu'on peut faire des grosses remontées en points. Par contre, c'est un scénario qui ne va pas avantager spécifiquement les Sons of Behemoth puisque vous vous souvenez, mon but à moi, c'est d'aller me poser le plus vite possible sur les objectifs et d'y rester en vie le plus longtemps possible sans m'engager dans des combats inutiles. Et là, au premier tour, entre guillemets, potentiellement, je n'ai rien à faire puisque il n'y a pas d'objectif. Voilà. On a tant parlé de la liste de mon adversaire. Donc, mon adversaire jouait un Gloomspite plutôt gobelin, très fun. Donc, on avait Skragrot ici pour apporter les points de commandement et pour tirer. 2 Loon Boss pour améliorer les gobelins et leur donner la possibilité de faire des blessures mortelles. L'un des deux avait l'artefact universel Arcane Tome pour pouvoir devenir un sorcier. Voilà. Et l'inévitable Loon Boss sur Mangler Squig avec la Clamicole donc qui donne un moins 1 à la touche vers lui. En même temps, je ne peux pas en vouloir à mon adversaire de jouer un Mangler Squig, ce serait plutôt étonnant de ne pas en jouer tellement il a une puissance de destruction non négligeable et tellement la figurine est magnifique. Voilà. Au niveau de ses troupes, on avait 3 x 40 gobelins. Il y avait 6 Sneaky Snufflers. Donc, les Sneaky Snufflers sont des espèces de squeaks chercheurs de champignons qui peuvent donner un plus 1 attaque à une unité. Gloomspite Git, voilà. Grotte, d'ailleurs. Et on avait 5 fanatiques, donc ceux qui font mal avec des boulets, qui sont cachés dans les unités et que mon adversaire va pouvoir sortir à une phase de charge, soit pour m'empêcher de charger, soit pour venir me tuer, puisque les fanatiques tapent toujours en premier, voilà. Et je pense que mon adversaire voulait, l'air de rien, tirer aussi avantage des nouvelles règles concernant les monstres, puisqu'il jouait un Helguzler Gargant, donc un lointain cousin des miens, moins efficace. Mais bien sûr, maintenant qu'il est monstre, ça ouvre tout un champ de possibilités. Donc, je comprends la construction de liste de mon adversaire qui, visiblement, était là pour tenir sur les objectifs avec le nombre, la possibilité de ramener des gobelins. Enfin, voilà. Alors, au début de ce scénario, ce qui m'a rendu, entre guillemets, j'étais pas en panique parce que, contrairement à mon adversaire précédent, le Gloomspite Git manque de pouvoir de projection. Ici, il ne bénéficiait pas du sort de téléportation qu'il n'avait pas choisi. Donc, je savais qu'au tour 1, si j'avais la possibilité de lui laisser le tour, j'étais plutôt tranquille puisqu'il n'y avait pas d'objectif à prendre et qu'il n'allait pas pouvoir me charger. Comme j'ai eu la possibilité de le faire, c'est donc ce que j'ai fait. À noter que du coup, j'ai eu le choix de l'initiative à toutes les parties pendant le tournoi. C'est quand même pas mal avec 4 pauses. Donc, c'est à noter que 4 pauses, c'est déjà un seuil raisonnable pour viser le choix de l'initiative au premier tour. Enfin bref, je digresse, on en revient à cette partie. J'ai donc déployé mes méga gargants comme d'habitude, un Kraken Eater à gauche, le Kraken Eater général au milieu pour pouvoir avoir son air d'effet le plus possible, les petits gargants pas trop loin de mon général pour pouvoir intervenir en cas d'adversaire belliqueux, et le Gatebreaker plutôt à droite. Voilà. Donc au premier tour, j'ai laissé mon adversaire avancer vers moi. Il a forcément avancé prudemment, je ne peux pas lui en vouloir. Pour mon premier tour, j'ai choisi la tactique de bataille de faire courir des unités, comme d'ailleurs l'avait fait mon adversaire. Et donc, j'ai pas voulu engager trop fort avant de savoir où étaient les objectifs. Donc, j'ai fait courir les 2 méga gargants à droite et les petits gargants, en me conservant du coup la possibilité de charger avec les petits gargants. J'ai avancé plutôt tranquillement à gauche, voilà. Et j'ai chargé uniquement avec les petits gargants. À savoir que, juste avant, encore une fois, l'idée du tir des 3 petits gargants qui est plus efficace qu'un seul, ça a encore marché, puisque j'ai de nouveau réussi à éliminer un Loon Boss au tir de rocher avant de charger, malgré son attention messire. Ensuite, les petits gargants ont chargé, j'ai voulu charger au milieu en fait, le pack de gobelins qui était au milieu pour, on va dire, déjà l'engluer et commencer à faire mal. Voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai perdu, je crois, un de mes gargants sur les contre-attaques de mon adversaire, mais
Globalement, à la fin de ce premier tour, on n'était pas trop mal. Mes trois gargants étaient libres. Mes trois petits gargants avaient engagé des gobelins et on avait tué pas mal. Donc, j'étais content. L'objectif est tombé en plein centre. Donc, juste à côté de du combat. Voilà, entre mes gargants et les gobelins. Donc, il y avait mon général derrière qui s'est du coup réjoui de cette nouvelle puisque. Il n'était pas trop loin de l'objectif central. Donc, pour le début du deuxième tour, c'est moi qui ai obtenu l'initiative. Voilà, encore une fois. Et bah, cette fois-ci, je ne me suis pas trop foulé. Donc, j'ai pris l'initiative. J'ai choisi la tactique de bataille monstre accapareur, qui est de tenir un objectif avec un monstre sans qu'il ne soit contesté par un autre monstre, ce qui était le cas au centre avec mon général, sans même avoir à bouger. Donc, je voulais le faire avant que le Mangler Squeak ou... Le géant puisse éventuellement venir m'empêcher de le faire. Et sinon, bah, ça s'est poursuivi globalement dans l'entreprise de destruction des gobelins. À noter que ce qui a joué pas mal dans ce match-up aussi, c'est que les gobelins sont très bons pour résister car ils ont des rétières au premier rang qui vont mettre un moins 1 à la touche, pas forcément au premier rang d'ailleurs, mais qui vont mettre un moins 1 à la touche dans un certain rayon. Et là, c'est la capacité des Kraken Eaters notamment et des Man Crusher Gargants de mettre des figurines dans le sac en choisissant des figurines qui m'a permis de manger les rétières en priorité, les bannières pour empêcher les bonus de morale. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire dans la première partie, mais j'y reviens. Dans la première partie, je mangeais systématiquement toutes les bannières des horreurs puisque les horreurs peuvent faire revenir des figurines en cas de 1 sur le test de bravoure. Donc, les tactiques des méga gargants de pouvoir prendre des figurines contre certaines armées, c'est vraiment assez fort parce que il y a certaines armées qui sont dépendantes de certaines figurines, leurs armes spéciales, leurs champions, voilà. Donc bref, ce deuxième tour a été assez tranquille, franchement, pas grand-chose à dire si ce n'est que bah, mon général est parti se battre aussi, mais il n'a pas eu loin à parcourir vu qu'il voulait rester sur l'objectif. Sur la droite et sur la gauche, je suis resté statique. Donc après, ça a été le tour de mon adversaire. Là, il est venu essayer de me faire mal. Donc il est venu nettoyer les mini gargants avec son Mangler Squeak. Il est venu commencer à entamer mon général avec son propre gargant. Voilà. D'ailleurs, son gargant. N'a pas réussi à me faire grand-chose, quoique, mais il a quand même, mais il est mort sur ma contre-attaque. Donc voilà. Mon adversaire a quand même réussi l'objectif mise à mort puisqu'il a tué un des petits géants. Donc ensuite, fin de ce tour 2, les objectifs tombent de nouveau. Donc de mon côté à gauche, près du Kraken Hunter qui attendait, et du côté de mon adversaire à droite, donc proche d'un pack de gobelins qu'il avait et du Mangler Squeak, mais aussi proche de mon Gatebreaker. Voilà. Au tour 3, ce qui s'est passé, c'est que bah, ça a continué. Voilà, j'ai continué de tenir l'objectif au centre, j'ai pris l'objectif à gauche et à droite. Mon adversaire a habilement déjoué mes plans parce que, après que lui ait tenté une mise à mort et l'ait réussi sur mes gargants, j'ai voulu tenter une mise à mort sur son Mangler Squeak avec le Gatebreaker. Donc, normalement, le match était joué, c'est-à-dire que si j'arrivais à l'attraper, il allait exploser. Mais mon adversaire a été très habile puisque après mon mouvement de Gatebreaker, il a effectué un redéploiement. J'ai loupé ma charge par la suite, donc il aura réussi par ce redéploiement et du coup pour un point de commandement à maintenir son Mangler Squeak en vie et en plus me priver d'une tactique de bataille. Donc ça, c'était un très beau mouvement de sa part. Ensuite, on peut noter que bah, le Gatebreaker a fait quand même le ménage de son côté. Et il s'est ouvert un chemin vers Skagrot pour le quatrième tour. Donc au quatrième tour, j'ai pu passer la stratégie tuer le seigneur de guerre parce que un Gatebreaker contre Skagrot, voilà, il y a pas match. Et le Gatebreaker en plus, en tuant Skagrot, était juste à côté du Loon Shrine. Donc il a pu casser le Loon Shrine et là, j'ai enlevé toute possibilité à mon adversaire de ramener les gobelins qui étaient morts jusqu'ici. Donc à partir de là, ça commençait vraiment à sentir très bon. À noter quand même que j'avais fait une petite erreur, c'est-à-dire que je vous ai dit mon plan c'était de pousser les objectifs pour les rassembler et tenir plus facilement. Mais en l'occurrence, en fin de partie, mon général était vraiment très faible en PV, de l'ordre de 4 ou 5, et il avait deux objectifs sous lui.
et il était engagé par des gobelins. Voilà. Mon adversaire a même essayé de passer tuer le seigneur de guerre avec une bonne stratégie, c'est-à-dire qu'il a avancé des gobelins et il a sorti ses fanatiques pour me charger et être sûr de frapper en premier. Donc normalement, en frappant en premier avec des fanatiques, puis en ayant 40 gobelins, il était quasi sûr de m'enlever les 5 PV, mais comme je voulais absolument pas mourir, et du coup à cause de mon erreur, si je mourais, je perdais deux objectifs d'un coup à l'avant-dernier tour, ce qui me faisait perdre beaucoup de points, et éventuellement encore plus de points si mon objectif récupérait si mon adversaire récupérait l'initiative pour le tour 5. Du coup, là aussi, moi j'ai réagi directement, et comme le Kraken Eater n'était pas encore engagé avec les gobelins au moment où les fanatiques ont chargé, j'ai pu déclencher un Unleash Hell, et du coup, donc déchaîner les enfers, donc je leur ai tiré dessus. Grâce à un tir chanceux, j'en ai tué 3, voilà. Donc il restait 2 fanatiques à frapper. Et là, en fin de phase de charge, j'ai utilisé mon aptitude monstrueuse de piétinement. Malheureusement, pour moi, j'en ai fait qu'un, mais du coup, il a resté un seul fanatique qui pouvait taper. Et je pense que ça a sauvé mon général. Donc encore une fois, cette V3 à la porte de l'interactivité dans les tours. N'oubliez pas de réagir pendant le tour adverse, surtout partez pas vous prendre un café pendant ce temps-là, parce que voilà, c'est sur des petits mouvements comme ça que vous pouvez sauver ou perdre une figurine, retourner une partie. Enfin, moi je suis vraiment... la partie s'est conclue un peu comme ça, c'est-à-dire que bah, comme il n'a pas réussi à tuer mon général, j'ai ramené les deux derniers gargants pour la curer, et mon adversaire a fini table rasée, donc il n'a pas pu marquer sa grande stratégie, alors que moi oui. Mais cette fois-ci, je n'ai pas pu marquer toutes mes tactiques à cause de mauvais choix de ma part et de bons choix de mon adversaire. Et donc, on en arrive, adversaire que je remercie d'ailleurs pour cette partie aussi. Globalement, j'ai eu énormément de chance, mais je pense que c'est pas dur d'en avoir avec cette commu, mais j'ai eu 3 adversaires vraiment super qui expliquaient bien leurs armées, qui expliquaient bien leurs coups. Tout était joué dans l'intention. Voilà, c'était très agréable à jouer. Et donc on en arrive peut-être, si vous êtes curieux, à la fin du tournoi et à pourquoi j'ai autant parlé des objectifs secondaires et des grandes stratégies. Donc votre serviteur finit 4e au pied du podium, que je félicite d'ailleurs. Donc je crois que de mémoire sur le podium, on a Michael, ça c'est sûr, avec ses Soulblight en premier. Et en 2e et 3e place, on a une autre armée Soulblight et une armée Cities of Sigmar. Et là où je vous dis que les grandes stratégies et les tactiques sont super importantes, c'est que après l'annonce des résultats, voilà, j'ai posé la question à l'organisateur de savoir si j'étais passé loin du podium ou pas, pour pouvoir m'améliorer et pour savoir. Et il s'avère que ça se joue réellement à 2 points, et que ces 2 points, ça aurait pu être 2 points pour une seule tactique supplémentaire accomplie. Voilà. Du coup, cette nouvelle mouture de tournoi et de classement me plaît beaucoup, parce que en plus de vouloir gagner la partie, vous voulez maintenant réussir vos tactiques, réussir vos grandes stratégies. Et là, vous voyez, il y a des parties, notamment la 2e partie que je savais avoir perdue. Si j'avais joué pour marquer mes tactiques, peut-être que j'aurais pu finir sur le podium. Alors, ce qui n'est pas une fin en soi, mais qui est toujours agréable. Et ça va pousser tous les joueurs, je pense, à jouer les parties plus souvent jusqu'à la fin, à ne pas concéder et à se dire que même dans un mauvais match-up, on peut essayer d'en tirer le plus de tactiques possible et essayer d'empêcher l'autre de marquer ses tactiques, parce que peut-être qu'il va vous battre, mais pour le classement en général, ça jouera. Enfin, c'était vraiment super intéressant. Encore merci beaucoup à tous mes adversaires, à l'organisation. Tout s'est déroulé dans une super ambiance. Franchement, c'est très convivial. Et si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est venez chez les Dark, ou si vous êtes un peu trop loin, puisque ça se situe vers Calais, rapprochez-vous de vos associations aussi. Les tournois, c'est sympa. On y perd, mais on y gagne aussi des parties. Et surtout, on s'y fait des amis. Donc voilà, moi ce que je conseille, c'est de faire des tournois, de ne pas avoir peur de perdre et de ne pas avoir peur d'y aller tout court. D'ailleurs, on va passer à la 2e partie de cette vidéo avec quelques conseils rapides si vous êtes un tournoyeur débutant, ou alors même quelqu'un qui n'en a encore jamais fait, pour essayer de vous donner envie ou de donner envie à vos amis de vous suivre en tournoi. Donc, on se retrouve tout de suite. Alors, maintenant que je vous ai dit comment ça s'était passé pour moi, et franchement, j'en suis très heureux, c'était un super tournoi à tous les points de vue,
Je vais essayer de vous donner quelques conseils pour votre propre expérience. Donc d'abord, la première chose quand on s'inscrit à un tournoi, c'est on se demande quelle armée est-ce que je vais jouer. Si vous en avez une seule, forcément, ça facilite ce choix et vous pouvez passer à la question suivante. Mais si vous en avez plusieurs, alors là, je vous dirais celle qui vous enthousiasme le plus en ce moment, s'il y en a une qui sort vraiment du lot, jouez celle-ci parce que vous serez tellement heureux de la sortir que peu importe les résultats, vous serez heureux. Et si une armée ne s'impose pas comme une évidence, alors là, je vous dirais, prenez celle que vous connaissez le mieux. Parce qu'en tournoi, on va jouer dans un temps imparti, contre un adversaire qu'on ne connaît pas forcément, contre une armée qu'on ne connaît pas forcément, sur des scénarios qu'on ne connaît pas forcément. Du coup, ça fait déjà beaucoup d'infos à assimiler rapidement. Et autant être sûr de vos propres bases pour pouvoir développer le meilleur jeu de votre armée et tirer avantage de toutes les capacités que vous avez dans votre éventail de possibilités. Ensuite, on va parler de la constitution d'armée. Donc ça, on en a un peu parlé quand je vous ai présenté la mienne. C'est-à-dire que maintenant, vous avez choisi votre armée. Vous le savez, c'est ces petits bonhommes-là que vous allez emmener sur le terrain. Eh bien, c'est le moment de vous dire quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses, comment je peux maximiser ces forces et capitaliser sur elles, comment je peux compenser ces faiblesses ou les masquer à l'adversaire. Voilà, il y a plusieurs solutions. Alors, pour compenser les faiblesses, la solution la plus répandue, ça va être d'ajouter des alliés. Donc ici, je n'avais pas du tout cette possibilité-là en Son of Behemoth, mais la plupart des armées peuvent aller chercher des alliés. Donc là, ça demande une petite connaissance de votre allégeance, des choses comme ça, pour voir s'il y a d'autres figurines, d'autres armées qui pourraient vous aider. Mais j'ai envie de dire, on apprend aussi en jouant, donc ne vous prenez pas trop la tête, c'est juste, soyez conscient de vos forces, soyez conscient de vos faiblesses, et essayez de jouer là-dessus un maximum. Suivant, après avoir choisi votre armée et avoir constitué votre liste, eh bien, vous allez arriver au tournoi. Et quand on arrive au tournoi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, moi, personnellement, je relis maintenant avec cette nouvelle V3 les tactiques de bataille le matin. Parce que ça me permet de les avoir bien en tête, fraîches. On en a 8 à jouer, chacune ne peut être utilisée qu'une fois par partie, et vraiment, vous devez même y réfléchir, je dirais que c'est accolé à la constitution de liste, c'est-à-dire votre liste doit être faite pour pouvoir réussir ces tactiques facilement. Maintenant qu'on a pu voir concrètement que ces tactiques sont hyper importantes, que ce soit pour gagner la partie, ou pour le classement final, et même pour l'intérêt du jeu, bossez vos tactiques. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir un schéma et de vous dire « je vais forcément faire cette tactique ». De toute façon, vous devrez vous adapter à votre adversaire et au scénario. Mais il est bon de se dire, par exemple, dans une partie où je n'ai pas besoin d'être agressif, je vais tenter cette stratégie-là. Dans une partie où j'aurai besoin d'être plus agressif, je tenterai celle-là en premier et je garderai celle-là. Enfin, voilà, vous essayez déjà d'agencer un peu votre plan de tactique. Il faut se mettre un peu dans la peau de Zelch à ce moment-là, le grand architecte, mais c'est un exercice super intéressant. Maintenant, vous avez votre liste d'armées, vous avez vos tactiques de bataille en tête, vous êtes arrivé sur le lieu de tournoi, tout s'est bien passé, vous avez pris le café et discuté un peu avec les collègues. Maintenant, vous êtes à table avec votre adversaire, et pour moi, c'est le moment de préciser 2-3 choses afin de passer une partie vraiment optimale. Alors là, rien d'obligatoire et c'est un sentiment personnel, mais je trouve que, par exemple, le lancer de dés. Qu'est-ce que pour vous et qu'est-ce que pour votre adversaire un dé OK et qu'est-ce qu'un dé cassé? Voilà. Et c'est le genre de débat à avoir avant la partie plutôt que pendant, quand le dé est déjà lancé et peut décider de l'issue de la partie. Moi, par exemple, j'ai une piste à dés et je sais que je lance mes dés assez fort. Globalement, je préviens mes adversaires que tout dé qui va sortir de la piste à dés est automatiquement cassé et que je le relancerai, que ce soit un 6 ou un 1, et que ce soit pour une attaque ou un test de morale. Voilà, comme ça, ça évite les sujets et je pense que c'est bon à faire. Je vous oblige pas et je vous encourage pas à avoir des pistes à dés. Simplement à préciser avant la partie ce qui est pour vous un dé cassé ou pas, parce qu'on est dans un jeu de dés et que franchement ça peut souvent jouer. Voilà. Ensuite, comme je disais, n'hésitez pas à demander des choses à votre adversaire sur son armée, des précisions.
Je vous conseille aussi personnellement, avant le tournoi, de télécharger l'application Edge of Sigmar qui permet de voir tous les War Scrolls gratuitement. Alors bien sûr, c'est en anglais, ce qui peut compliquer les choses pour certains, mais au moins pour tout ce qui est de la portée des bulles, des choses comme ça reste les chiffres qu'on connaît. Du coup, en allant sur le War Scroll, vous pouvez vérifier, par exemple, vous pensez que la bulle de votre adversaire est un peu grande, mais ça ne vaut pas le coup de le déranger à lui demander. Hop, vous pouvez aller voir rapidement tout ça. Ça m'amène d'ailleurs au conseil suivant. En tournoi, on va jouer beaucoup, on va jouer vite. Votre adversaire, ça se trouve, n'a pas joué son armée souvent, et du coup, en cas d'erreur de règle, c'est-à-dire qu'elle soit en votre faveur ou entre votre défaveur, peu importe, en cas d'erreur de règle de l'un ou l'autre des joueurs, pour moi l'important, c'est de rester dans un contexte bienveillant. Ça arrive à tout le monde de mal lire une règle. À qui n'est-ce pas déjà arrivé aussi de comprendre une règle de la façon dont ça l'a rangée parce qu'il l'a lu trop vite? Voilà. Surtout, quand quelque chose est mal fait, ne pas hésiter à le dire, parce que les règles sont les règles et que la partie doit se dérouler selon ces règles, voilà, sans lesquelles notre jeu bien-aimé n'existerait pas. Mais franchement, l'ambiance en tournoi n'est pas à la gruge ou à des choses comme ça, donc il faut pas se braquer, il faut juste pas hésiter à demander des choses, à demander l'avis d'autres joueurs ou de l'arbitre s'il y en a un selon la taille du tournoi. Voilà. Mais tout en restant dans la bonne ambiance, parce que c'est définitivement le plus important. Et alors maintenant, un conseil que je vais pouvoir vous donner pour cette V3, c'est vraiment n'abandonner jamais une partie parce qu'elle semble mal engagée. Cherchez toujours à faire vos tactiques, cherchez toujours à faire votre grande stratégie. Et même au moment où vous savez, par exemple, déjà que c'est perdu, que vos tactiques sont déjà sécurisées ou déjà sûr de ne pas pouvoir être atteinte, continuez à tester des choses parce que chaque partie est l'occasion d'apprendre. Donc par exemple, vous avez déjà perdu, ce héros-là, vous le pensez résistant, mais vous n'en savez rien au final, envoyez-le au corps à corps, vous n'êtes plus à ça près. Vous voyez, ça dépend. Maintenant, à la limite, l'écart en points d'objectif qui va décider la victoire majeure est important parce qu'il va définir si vous gagnez ou si vous perdez. Mais cet écart en points, vous avez moins besoin de le creuser qu'auparavant, puisque maintenant, à la limite, ce qui compte le plus, c'est votre victoire majeure, que vous ayez fait des tactiques ou pas, et que vous ayez votre grande stratégie ou pas. Donc, à partir du moment où la victoire majeure est acquise, foncez sur vos tactiques et surtout, vous pouvez vous détendre un peu et peut-être tester plus de choses. Et puis, voilà un peu pour les conseils basiques. Alors, ça peut être, moi je ne le fais pas personnellement, mais ça peut être bien d'avoir ce qu'on appelle une cheat sheet, donc c'est-à-dire par exemple une feuille que vous aurez fait vous-même ou trouvée sur le net, préférence pour faites vous-même parce que vous ne vous y perdrez pas, et par exemple dans chaque phase, allez noter quelles compétences vous ne devez pas oublier d'utiliser ou de déclencher, voilà les moments où elles se déclenchent, des choses comme ça. Tout ce qui peut vous aider en fait, à être le plus concentré possible sur le jeu et avoir le moins possible le nez dans vos bouquins, parce que c'est ce qui vous permettra d'avoir le maximum de temps de réflexion et du coup de prendre les meilleures décisions et du coup probablement de gagner un peu plus facilement. Ça peut paraître des conseils bateaux. Je m'en excuserai pas parce que je pense qu'il faut vraiment encourager tout un chacun à aller en tournoi. C'est vraiment pas réservé à un genre d'élite. On peut tous y aller, on peut tous faire des listes sympas, on peut tous s'amuser. Et j'ai envie de dire, c'est même l'objet de tout ce hobby. Donc, j'espère vous retrouver en tournoi bientôt. Et dans tous les cas, on se retrouve très prochainement sur Warthog Wargaming. On va essayer de reprendre dans pas trop longtemps les rapports de bataille. Et on vous laisse quelques surprises. Dominionesque. Voilà, à bientôt! N'oubliez pas de vous abonner et pour les abonnés, de cliquer sur la cloche afin de recevoir toutes les prochaines notifications de Warthog Wargaming.